Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc ici c'est Yoko pour la seconde partie donc sur Harry Potter. Hop. Commencer, alors normalement ça va se garder. Normalement. Hop. Donc ici en fait ça va être une partie, enfin pas spéciale, mais on va pas avancer trop vite, on va pas essayer en tout cas, je ne vais pas essayer d'avancer trop vite pendant que ça charge pour les épileptiques. Donc en fait, j'ai discuté donc avec Léo, qui m'a réexpliqué on va dire pour les objets cachés. Parce qu'en fait fatalement s'ils sont cachés, c'est qu'il y a une manière de les découvrir et moi je me rappelais plus du tout en fait allez. Comment repérer ça? En fait, c'est tout con. Alors, ici... Non. On va pas faire ça tout de suite. Donc, en fait, c'est tout bête, vous allez voir. Alors, il paraît qu'il y aurait des murs aux textures différentes. Pour l'instant, j'en ai pas vu. Donc, le fameux Léo donc, m'aurait dit que dans la bibliothèque, j'ai raté quelque chose. J'avais recommencé une partie en vitesse pour voir un peu. J'ai rien trouvé. Alors, maintenant, c'est peut-être moi qui suis foncièrement mauvais. Je ne sais pas. Mais donc voilà, donc regardez, c'est tout bête. Vous voyez la différence? Elles sont très fines en fait. Bon, si on regarde bien, il y a un petit écart, mais bon, elles sont surtout très fines, c'est comme ça qu'on les repère. On se met devant, on appuie sur carré et hop, c'est parti. Hop. Première carte. Merlin. Bon, on va regarder hein, pour le fun. Et ça charge en plus. Merlin, Moyen Âge, dates inconnues. Le plus célèbre sorcier de tous les temps. Également connu sous le nom de Prince des Enchanteurs. Membre de la cour du roi Arthur. Ok. Bon bah voilà. Hop, on aura eu la première. Alors il y en a 17 en tout. Bon, je ne pense pas. Pas que je les trouverai toutes, hein. Je l'ai déjà dit dans le premier épisode, mais je vais quand même essayer de ramasser le maximum. Alors maintenant, si c'est un épisode à un autre, vous voyez que j'en ai oublié une. Si c'est possible pour moi d'aller la récupérer, n'hésitez pas à me le dire. Wingardium Leviosa. D'accord, Harry peut faire du rangement. Non, mais c'est pratique. Cool, en plus ça fait des points. Ici donc on n'était pas allé, donc on va aller voir un petit... Putain, j'ai du mal à parler. On va aller faire un petit tour donc dans la salle commune. Quelle voix? Caput Draconis. Je pense pas qu'il y avait grand chose à voir là-dedans pour l'instant. Je sais même pas s'il y aura quelque chose par la suite. Salut Harry. Ah, tu les as pas encore nos 50 dragées surprise jaunes au goût de poubelle? Non. Rapporte-nous les dragées. Et on te dira le mot de passe pour le portrait du vieux baron Snobinard. Georges et moi, on a laissé quelque chose derrière le portrait. Je suis sûr que tu trouveras ça très pratique. D'accord. Et on en a combien? Ah ouais, non, ils nous en ont quand même pas mal. Donc le livre qu'on vient de consulter. Des chocogrenouilles. Quand tu bois une potion Wiggenveld, tu régénères tout ton... D'accord. Et un point de sauvegarde qu'on ne va pas utiliser, évidemment. Bon, bah pas grand chose pour l'instant. Alors si vous vous rappelez bien, là on devait aller voir Hagrid. Prendre une tasse de thé avec lui. Enfin, pour lui ce sera plutôt un saut à mon avis. Par contre j'essaye de pas y aller tout de suite. Alors attends, hall d'entrée. Fermé. Bon, on va prendre celle-là. Les deux mènent au hall d'entrée, il y a quand même un problème j'ai l'impression. Alors, je sais pas où on est. Ah, une autre. Ah, cool, des dragées. Et une carte. Ça
Salazar, Serpentard. Ah, Serpentard. Allez, on va regarder. Bon, c'est un peu chiant quand je consulte, c'est que c'est à chaque fois un chargement. Je trouve ça un peu dommage. Surtout vu ce qu'ils affichent, quoi. Hein. Une petite photo, puis c'est tout, quoi. Salazar, Serpentard. Moyen Âge, dates inconnues. Co-fondateur du collège Poudlard. Donna son nom à l'une des quatre maisons de Poudlard. D'accord. Il se foule pas pour les dates, hein. Date inconnue, date inconnue. Hop. Excusez-moi. Je sais pas du tout où je peux et où je peux pas aller. Fatalement, il y a un endroit où j'irai, je pourrais pas. Non, on va peut-être pas sauvegarder. On va aller chercher. Yep. Bah, ça va aller très vite, je crois, avec les 50 premiers. Hein. C'est plutôt pour nous donner envie de chercher le reste. Salle des armures. Voilà, on va aller jeter un coup d'œil. On va explorer un petit peu Poudlard, hein, pas de raison. D'accord. Ok. Je sais pas si on peut leur faire quelque chose aux armures. C'est pas un bouquin pour nous expliquer? Non. Bon. Ah merde, j'ai plus de pouvoir. Bon bah, je peux rien y faire. C'est pas grave. J'aurais cru qu'on aurait pu peut-être les exploser un petit peu ou quoi, faire un peu le délinquant, même pas. Donc on va les voir. D'accord, si tu veux. Méfie-toi des armures. Oula, je crois que il y a mieux, lui. Prépare une farce dont il a le secret. J'espère bien ne jamais en rencontrer. En fait, ils avaient pas assez de sous pour embaucher tout le monde, donc ils ont dit bon, on va récupérer une voix discrètement. Sauf qu'en fait, il a un peu la voix d'un vieux pour un gamin. Encore une salle secrète. Oh, carrément un chargement pour celle-là. Aide-moi, Harry. Ces maudits élèves de Serpentard. Ça, j'aurais pas dû le faire. Sorceler tous mes chocogrenouilles, mes pâtes à citrouille et mes fondants du chaudron. Tu pourrais m'aider à les faire redescendre sur terre en utilisant ton maléfice de repousse-tout. Allez, s'il te plaît. Je vais faire une pause. Donc, écoutez, ce que je vais faire. Oh putain, je peux même pas quitter là, c'est dommage. Si jamais vous avez une vieille coupure en fait en plein milieu, c'est normal. Ça voudra dire qu'en fait ça a bugué parce que j'avais fait un essai, j'étais arrivé jusque là. Et en fait ici, quand j'avais réussi la mission, j'ai eu le jeu affigé. Alors, est-ce que c'était un manque de bol ou est-ce que ça va être récurrent, je ne sais pas. On verra bien, au pire ça ferait une vieille coupure et je n'irai pas dans cette salle. Alors j'espère que c'est pas trop important ce qu'il y a à gagner parce que sinon je vais être bien embêté. Donc là, il faut dégommer tout ce qui saute. Vous voyez, il faut pas être très précis. Hein. Ah, ok. J'allais dire, il y a aussi des chaudrons. La dernière fois, ça avait figé là. Merci, Harry. Ah bah tiens, là, ça a été. Prends cette carte des sorcières et sorciers célèbres. Je te l'offre. Merci. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'on avait vu cette carte. Cornelius Agrippa. Bah écoutez, je vais pas la regarder. Avec un peu de chance, il va réussir à sortir de la salle. Bah écoutez, la dernière fois c'était un manque de bol. Tant mieux, je dirais. Je vais faire une sauvegarde, donc je vais faire comme pas mal de monde, hein, une double sauvegarde. Comme ça, si j'ai un bug pendant l'enregistrement, au moins, ça ne fout pas en l'air. Ouais, on peut écraser celle-là. Ça évitera les surprises. Donc on va aller voir par là. Bah, je suis content que ça n'a pas bugué. Je ne sais pas ce qu'il y a là derrière. Donc je vais sauvegarder de manière récurrente hein, pour être sûr pas avoir de blagues. Oula. Non. Mais encore. D'accord. Est-ce qu'il peut me toucher lui? Non. Allez, vas-y, frappe.
Alors. Hop. Bah nickel, plus que 10. Désolé, je me rends compte que je suis pas très bavard en fait, depuis tout à l'heure, je suis hyper concentré. En fait, comme c'est un jeu que je ne connais pas par cœur, du coup je suis complètement largué en fait. Dans ce genre de jeu, moi je suis très mauvais, enfin mauvais. Je suis vite perdu en fait. Bon, on va aller par là, tant pis, on verra bien. Et du coup, comme j'ai de mémoire, il y a des endroits où ça devient inaccessible par la suite, j'ai peur de rater quelque chose, du coup je me concentre et fatalement je lâche pas un mot. Alors. Ah, par ici je crois qu'on va avoir un événement. Il me semble que j'ai raté une porte, non? Bon, écoutez, on va aller voir par là. Mais je crois que par là, on en vient. Ouais. Bah, c'est bon, on a fait le tour. Écoutez, c'est nickel, on en a récupéré 3 cartes. Et 10 dragées, d'ailleurs. Faut que j'ai pas fait attention au temps. J'espère ne pas avoir de blocs. Bah, écoutez, ça va. L'épisode sera peut-être un peu plus long que d'habitude, encore tant toi, pis. Potter. Ah. Tu visites le château, c'est ça? Désolé pour toi, mais tu n'iras pas plus loin. Je ne te laisserai pas passer. Oh, le célèbre Harry Potter est pris au piège dans le méchant château. Oh non, je crois bien qu'il va pleurer. C'est horrible cette voix. Wingardium Leviosa. Ouais, alors vous avez vu tout à l'heure, quand on fait du rangement, Harry gagne des points, donc on va pas manquer cette occasion. Wingardium Leviosa. Hop. Je sais pas à quoi ça sert. D'accord. Ah bon, en fait, on est obligé de le faire. Bon. Avec un petit chargement. Ah, tu vas avoir droit à une leçon de malfoi, Potter. Que dirais-tu d'un cours sur les pochettes surprises remplies de pétards? Pourquoi tu parles comme ça? Je me vengerai, Potter. Tu ne quitteras pas ce château avant que j'aie pris ma revanche. Alors franchement, autant dans Harry Potter, le personnage, je le trouve sympathique. Enfin, sympathique. Je le trouve bien foutu, sauf sur la fin où j'ai un peu de mal. Alors autant là, c'est vraiment... Donc là, c'est pas dur. Hein. Donc voilà, quoi. Vous attendez qu'il stoppe, et vous lui en balancez un. Bon, par contre, si je visais bien, ce serait peut-être une bonne idée, quoi. En fait, voilà, on va attendre qu'il en jette un. Et vous lui en balancez un. Déjà ? Crab, occupe-toi de cet imbécile. Ok. Et toi, Potter, je vais te donner un avant-goût de mes pochettes surprises remplies de pétards. Avec son pote le gros. Oui, forcément, comme il est gros, il est musclé et méchant. Et stupide, puisqu'il parle pas. Donc cela, on peut rien faire avec. Voilà. Il faut attendre que son pote nous balance... Ah, je l'ai raté. Hop. Et vous voyez, en fait, les gros nous lâchent des choco-grenouilles. Ah, je l'ai raté, c'est dommage. Donc faut pas être trop pressé comme j'ai fait depuis le début, ça sert à rien. Vous attendez, voilà, qu'il prépare, et vous jetez. Le deuxième alors. Espèce d'idiot, tu es là pour me protéger, je te rappelle. Allez, Goyle, viens, on va montrer à ce crétin qui sont les vrais sorciers. T'es pas sorcier, tu me jettes des pétards. Il est con, quoi, lui. Débile. Mais son pote est exactement pareil au premier. Je sais qu'ils ont vachement la même tête, mais quand même. Ah ouais. C'est un peu le bordel parce qu'ils sont un peu plus nombreux. Aïe. Aïe. Tiens. Là, j'ai un peu de manque de bol. Et je me dépêche. Ce qui est pas une bonne chose. J'ai patience. Merci. Allez.
Voilà, ouais, c'est bon. Nickel. Te réjouis pas trop vite, Potter. La prochaine fois, t'auras pas autant de chance. C'est un peu un premier boss bidon, je dirais, quoi. Faut juste faire attention à pas se dépêcher comme je l'ai fait. Je crois qu'il y en a un qui se trompe de côté. Hop, ah ben on sort directement, d'accord. Ah, j'ai bien fait, je crois, d'aller récupérer les cartes, tout ça maintenant. En attendant, les sabliers continuent de se remplir petit à petit. Avec une scène d'une fluidité hors du commun. Ah, les fameux sabliers, donc ils font les décomptes des scores selon les écoles. Ils vont les énumérer de toute manière. Serre d'aigle. 51. Je sais pas si on est classé directement ou pas. Pouf souffle. Surtout que je me suis un peu craqué sur le. Serpentard. Je crois que c'est dans l'ordre, donc on est au-dessus. De toute façon, on a 90 et quelques. Enfin, 90 et quelques. 95. Griffon d'or. 95. Ah, ça va, pour l'instant, on mène. Griffon d'or est en tête du classement. Ouais, c'est la faute. Remportera-t-elle la coupe des quatre maisons pour la 7e année consécutive? Mystère. Donc oui, la fin change selon votre position, je crois. Alors je sais pas si c'est selon vraiment chaque position ou si on est premier ou pas. Mais de mémoire, ça change un peu, quoi. Les petits oiseaux. Salut Harry. Tu te souviens de moi? Hagrid, le garde-chasse. Oh, ça me fait plaisir de te revoir. Je vois que tu as fini par trouver le parc de Poudlard. Tu dois te rendre à ton cours de botanique. Le professeur Schwab t'attend déjà dans la serre. Viens donc à ma cabane un peu plus tard. Nous pourrons discuter en prenant le thé. Il y a quelque chose que je voudrais te demander. Ma cabane est dans le parc. Putain, Hagrid, ils l'ont pas raté, quoi. Il a l'impression que sa tête a été écrasée sur un mur. Alors, je sais bien qu'Hagrid n'est pas spécialement playboy, mais... quand même. Je me rappelais pas de tout ça, c'est dingue, quoi. Ah, ça va encore être un cours où on aura un certain temps pour arriver à l'arrivée, justement. D'accord. Bon, c'est pas grave. Ah. On va tout de suite aller les chercher. Allez, hein, hop, on se dépêche. Surtout que là, j'ai perdu un peu de temps. Ah bah ça va l'arriver juste là. C'est parfait. Hop. Harry Potter, je suppose. Bienvenue à mon cours de botanique. Vous arrivez juste à temps. Bonjour et bienvenue. Je suis le professeur Chourave. Très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à jeter un sort d'incendio. Ne quittez pas ma baguette des yeux et appuyez sur les symboles qu'elle désigne. Terminez chaque série trois fois et vous aurez appris à utiliser le sort d'incendio. C'est ça. Et maintenant, commençons la leçon. Préparez-vous. Bon alors. C'était parfait! Excellent! Splendide! Ça va, c'est pas spécialement difficile, hein. Ça va pas trop vite. Là, ça va être un peu plus chaud, mon avis. À présent. C'était parfait! Grande concentration, là. Excellent! Je donne tout ce que j'ai. De pas me gourer. Splendide. Je sais pas si ça fait spécialement des points ou pas pour l'école, on verra bien. Parfait. Vous venez d'apprendre à lancer le sort d'incendio. À présent, suivez-moi pour savoir à quoi sert le sort d'incendio. À faire cramer des poubelles dans la rue. Harry le rebelle.
occasion maintenant de lancer un sort d'incendio pour faner un bulbe sauteur. Utilisez votre baguette sur le bulbe sauteur situé près de la porte. En touchant les bons symboles, vous accumulerez suffisamment d'énergie pour que votre sort soit efficace. D'accord. D'abord, regardez s'il n'y a pas un... Ok. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de haricots planqués. Incendio. D'accord. Excellent, Harry. Donc en fait, vous avez peut-être pas fait attention. Il y avait une petite bulle qui tournait en fait à chaque fois qu'un symbole passait, il fallait cliquer quoi, tout simplement. Mais ça a pas l'air trop précis, donc ça va encore quoi. Je sais pas où elle est. Je sais pas ça fait combien de temps, ça m'embête un peu. Bah, on va aller voir par là, tant pis. Tu as déjà eu ton premier entraînement de Quidditch ? Cette année, il paraît que même les premières années ont le droit de s'entraîner. Tu devrais essayer. On m'a dit que tu te débrouillais plutôt bien sur un balai. D'accord. Donc là, ce serait le cours de Quidditch. Bah écoutez, je vais faire l'entraînement de Quidditch. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, parce que sinon il va me falloir 20 plombes pour la mettre sur YouTube. Bienvenue Harry. Attrape ton balai et commençons l'entraînement. D'accord. En plus, je n'aime pas fort les sessions balai. Bienvenue au terrain d'entraînement de Quidditch, l'un des sports les plus palpitants de l'histoire de la sorcellerie. L'attrapeur qui s'empare du bif d'or rapporte 150 points supplémentaires à son équipe. Ce qui explique pourquoi les attrapeurs sont la cible préférée de leurs adversaires, qui n'hésitent pas à commettre à leur encontre de nombreuses fautes. Pour ta première leçon d'attrapeur, il me semble que c'est pas trop dur en plus en attrapeur. Essaie de voler au travers de 10 cercles d'or générés par le bif d'or. Très bien. Attention, 3, 2, 1, je lâche le vif d'or. Bon, bah on va voir ce que ça donne. À mon avis, je vais me croûter parce que je suis vraiment pas doué avec le balai. Ça commence fort. D'accord, bon allez, regardez ça franchement. Très bien. J'ai eu de la chance là, franchement. Cette belle performance te vaut les ailes d'argent. J'ai eu de la chance. Cool. Très bien, passons maintenant à la leçon numéro 2. Je sais pas si on peut avoir l'or directement, mais bon. Tu sembles très doué pour poursuivre le vif d'or. Mais voyons comment tu vas te débrouiller pour l'attraper. À présent, vole au travers de 20 cercles d'or, puis appuie sur la touche 3 dès que le vif d'or est à portée de main. C'est gentil. Bien. Prêt ? 3, 2, bon, bah écoutez, 1, hein. Je lâche le vif d'or. Je le sens trop mal, mais c'est pas grave. En fait, il les lâche des fois sur le côté, c'est enfoiré. Allez! Là, je sais pas comment ça se passe. D'accord. Excellent, oh ben, nickel. Harry, tu viens de remporter les ailes d'or ainsi que cool. 25 points pour Gryffondor. Nickel. Dans un match de Quidditch, l'attrapeur qui s'empare du vif d'or rapporte 150 points supplémentaires à son équipe. Et généralement, l'équipe de cet attrapeur remporte le match. Et maintenant, voyons si tu arrives à poursuivre et à t'emparer du vif d'or face à un autre attrapeur. Bien. Je te promets. Prêt ? 3, 2, 1. Je sais pas s'il faut juste l'attraper ou si on va devoir se taper la session des anneaux. Bah si. 30 anneaux. Il
J'ai l'impression que Harry est vachement plus lent. Cet enfoiré me pousse en plus. Hein. Imaginez pas la tension. En plus, ça va de plus en plus vite. Je l'ai raté. Tant pis pour moi. Faut être au taquet, regardez bien la barre en bas. Oh, je l'ai eu direct. Tu viens de gagner tes ailes d'or ainsi que 25 points pour. Ah, c'est dommage pour la première premier entraînement, j'aurais pu avoir les ailes d'or et 25 points. Tant pis. Dans ce cas, bonne fin de journée Harry. Sache que tu peux revenir t'entraîner au Quidditch quand tu veux. D'accord. Phew, et bah c'était palpitant. Je sais pas où, mais moi j'étais à fond dedans. J'étais super concentré. Je crois d'ailleurs que cette vidéo elle va être super chiante à regarder parce que je n'ai pas l'impression de dire grand chose. Je sais pas combien de temps on en est. Écoutez, je vais sauvegarder là parce que je crois que ça fait un petit moment quand même. J'ai pas envie de devoir couper en plein milieu d'un truc intéressant. Donc là on aura quand même trouvé 3 ou 4 cartes de sorcier ainsi que. Ainsi que les entraînements de Quidditch et pas mal de haricots, tout ça. Ouais, 17%, ça va encore. Bah écoutez, je vais sauvegarder, je vais savoir tout de suite à combien de temps j'en suis. Si tu ne me le montres pas aussi, ça va pas aller. 43, bah ça fait 20 minutes. Bon, allez, je vais avancer encore un peu, tant pis. Là, disons que j'aime beaucoup, mais je sais pas, je reprends l'habitude du jeu en fait, du coup j'ai vraiment envie d'avancer un petit peu. Il y a eux là. Tu veux le mot de passe du portrait, Harry? On te le donnera si tu nous rapportes 50 dragées surprise bleue. Mais fais attention aux mauvaises rencontres, il y a des créatures étranges dans le coin. D'accord. Bon, maintenant il nous propose aussi les bleus. Mon pauvre petit chaton, il est tombé dans le puits. Je ne peux pas le rattraper. Quel il fait très sombre là-dedans. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Il est sans doute tombé au fond du puits. T'es pas un magicien, toi? T'as beau le chat qui gueule à mort, quoi. Non, on va pas la boire, puisque je suis déjà full. On a récupéré un sort, d'accord. Mon chaton est toujours au fond du puits. Ne me dis pas que tu n'entends pas ses miaulements. Si, mais comment je le récupère, ton chaton? T'es marrant, toi. Bah écoute, je suis désolé, mais... Bah y a pas l'air de s'ouvrir. Tant pis. Oh, le pauvre bête, quoi, il me fait mal au cœur. Mon avion pourra revenir après, je vois que ça, hein. Ah. J'ai eu un tout en poil, mais Fred et Georges s'en sont servis comme cognards pour s'entraîner au Quidditch. Tout en poil. Mais c'est quoi cette chose? D'accord, elle me suit. Poil. Petite bête affectueuse à l'appétit d'ogre. Hagrid. Cool. Alors attendez, parce que là je suis un peu paumé. Donc, aïe aïe, ça fait mal en plus. Ah, peut-être ici. Ouais, voilà. Bon, là c'était flagrant en fait. Je comprends quand on me disait que les murs avaient une texture différente. Ah, ça c'est encore le même jeu. Vous devez ramasser toutes les dragées surprises de Bertie Crochu. Mais attention aux bulbes sauteurs. S'ils vous touchent, vous perdrez des dragées. D'accord. Ils sont où les bulbes sauteurs? Bon, ça va, c'est pas trop difficile. Félicitations, Harry.
Vous avez récupéré toutes les dragées surprises de Bertie Crochu. Tenez, voici une carte des sorcières et sorciers célèbres pour vous récompenser. Merci, Nick quasi sans tête. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Encore une fois, je regarderai plus tard. Hein. Je ferai une session lire l'album. Derwen Simpling. En plus, j'avoue que je ne connais pas cette personne. Hop. Donc on va vérifier. Oh là là, on va vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Donc vous voyez, en fait, c'est assez flagrant quand même, quoi. Hein. Donc ça va. Si je fais un peu attention, je devrais pouvoir trouver assez facilement. Hop, cabane de Hagrid. Ah merde, il court direct. Ah, te voilà enfin. Et ton cours de botanique, ça s'est bien passé? Ouais, Harry, j'ai appris à devenir pyromane. J'ai besoin de graines de feu. Elles poussent sur une plante très rare dans la forêt. Tu veux bien aller m'en chercher? La plante vit juste au-delà de la porte de la gargouille. Des choses étranges se sont produites dernièrement, alors sois prudent. Oh bah écoute, une forêt dangereuse, sombre et pleine de créatures bizarres. Y a pas de soucis, hein. Je veux bien y aller. Alors, y a rien de planqué ici. Et dans sa cabane, là, y a rien de planqué non plus. On peut pas rentrer. Et là, c'est quoi? On peut pas y aller non plus. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je sais que j'aurais pas avancé plus que ça, mais bon, ça va faire une demi-heure. Après, mes vidéos sont quand même d'une taille conséquente et j'ai pas une connexion de furieux, donc on va peut-être éviter. Hop, on sauvegarde. Voilà. Donc sur ce, je sais que j'ai pas été très bavard pendant l'épisode, mais j'étais vraiment concentré, donc je vais corriger ça dans le prochain. Mais j'espère quand même que l'épisode vous aura plu. Si j'ai manqué quelque chose, n'hésitez pas à le souligner, il n'y a pas de problème. Je me rappelle pas tout du tout. Enfin, pas tout du tout, ça veut rien dire. Je me rappelle vraiment pas tout du jeu, quoi. Le jeu, ça fait une dizaine d'années que je l'ai fait, donc fatalement, j'avoue que ma mémoire a un peu oublié certains passages. Voire quasiment tous en fait. Donc voilà, enfin bref. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis donc à la prochaine pour la suite du Let's Play. Bye !